Bonjour, aujourd'hui je vous propose un spritz bourguignon parce qu'on connaît le spritz italien, mais nous on voulait vous proposer une version un peu twistée façon Bourgogne avec crème de cassis de Dijon, crémant de Bourgogne Vito Alberti pour l'amertume de la Sienne. Donc, ça c'est une liqueur de gentiane qui est faite en Franche-Comté par nos amis de chez Guy. Et puis bon, l'eau pétillante parce que bah, voilà, on allonge un peu le cocktail. Alors, on commence crème de cassis, on va en mettre 2 centilitres. Donc, 2 centilitres. Donc je prends ça, mais bon, bah, vous pouvez mesurer autrement. Voilà, 2 centilitres directement dans le verre. On va mettre une petite pointe d'amertume avec la gentiane. Donc là, on va juste mettre 1 centilitre. Voilà, la gentiane, c'est hyper puissant, donc il ne faut pas en mettre trop non plus. Il ne faut pas que ça domine quand même le cocktail. Voilà, hop. Ensuite, on va mettre un peu d'eau pétillante. On va mettre 2,5 centilitres. Ça va, vous suivez? 2 centilitres de cassis, 1 centilitre de gentiane, 2,5 centilitres d'eau pétillante. Hein, l'eau pétillante, juste ça rallonge et du coup ça fait quelque chose d'un petit peu moins alcoolisé. Ensuite, du crémant de Bourgogne, ça remplace le Prosecco. Hein. Prosecco, c'est un effervescent. En Bourgogne, on a un bon crémant, donc du coup ça marche très bien. Hein. Mais bon, il y en a dans chaque région de France, donc prenez le vôtre. Et donc là, on va mettre 8 centilitres. Et ben voilà, hop, 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 si vous voulez, et que vous y pensez, vous prenez une petite rondelle d'orange ou une petite rondelle de citron vert, c'est comme vous voulez. Santé!